J'ai peur non pas parce que je ne maîtrise pas mon sujet. J'ai peur parce que je ressens naturellement des émotions. Émotions de peur, de joie, de tristesse, de dégoût, de colère et de surprise. Tout comme vous d'ailleurs. Mesdames, messieurs, je m'appelle Abdoulaye Fall. Je viens vous parler de l'intelligence émotionnelle comme compétence managériale du futur. L'intelligence émotionnelle est la capacité à reconnaître, à comprendre et à maîtriser ses propres émotions, mais aussi et surtout à comprendre les émotions des autres. Rappelez-vous, connais-toi toi-même. Et justement, la conscience de soi, est la clé de voûte de la compréhension de soi et de l'intuition. Ceux qui en sont maîtres conduisent mieux leur vie. Saviez-vous que les émotions sont intimement liées à la réflexion et à la prise de parole ou la prise de décision? Voilà, mesdames, messieurs, pourquoi l'intelligence émotionnelle est une compétence managériale essentielle à développer. Mais quelle est son importance pour un manager? Je répète. Quelle est l'importance de l'intelligence émotionnelle pour un manager? Je répète une troisième fois. Quelle est son importance pour un manager? Nous allons voir cette partie en deux points. Le premier point, c'est dans la résolution des conflits en entreprise. Lorsque nous pouvons discerner les émotions des autres, comprendre leur point de vue, il est beaucoup plus facile de résoudre les conflits ou peut-être même les éviter avant qu'ils ne commencent. Sun Tzu nous dit dans l'art de la guerre que celui qui excelle à résoudre des difficultés le fait avant qu'elles ne surviennent. Je m'en vais traiter le deuxième point qui va s'articuler autour de la confiance en soi. Les managers qui font preuve d'intelligence émotionnelle inspirent confiance. Oui, la plupart des grands managers affirment que l'une des clés de leur réussite est de montrer en toutes circonstances une confiance en soi inébranlable. Ceci pour dire que avoir confiance en soi, donner confiance et faire confiance constitue à leurs yeux la trilogie du succès. Plus la compétition est forte, plus la confiance est un fédérateur efficace. Un grand soldat français qui fut également premier ministre, Pierre Messmer le confirme en disant que lorsque vous avez 15 perdus tournés vers vous et qui attendent un ordre qui va leur sauver la vie ou les envoyer à leur perte, alors il vaut mieux parler clair et droit. Saviez-vous que les résultats d'une entreprise sont dus aux compétences émotionnelles du manager? Mesdames, messieurs, le futur du travail sera émotionnel. Et oui, Microsoft et le cabinet Ernst & Young l'ont compris à travers leurs respectifs programmes Microsoft Care and Are You OK, qui signifie littéralement « Tu vas bien », qui œuvrent exclusivement pour la santé mentale de leurs collaborateurs. Eh bien, les entreprises qui n'auront pas investi dans le développement de l'intelligence émotionnelle se retrouveront en queue de peloton à la fin de la décennie, s'ils existeront encore. Mesdames, messieurs, je vous remercie.